Bonjour, c'est Pauline. Voyance Pauline évolue. J'ai décidé de vous aider à y voir plus clair dans votre avenir tout au long de l'année par vidéo. Voici donc mes taroscopes, signe par signe et surtout décan par décan, vous ne le trouverez pas souvent. Cette séparation des camps vous apportera de véritables précisions au plus près de votre vie. Ainsi, tous les 28 de chaque mois, je mettrai en ligne ici votre taroscope personnel du mois suivant. Pour vous régaler, vous regarderez le décan de votre signe astrologique, lion, taureau, vierge, votre ascendant de naissance bien sûr, mais surtout votre vrai ascendant de votre année solaire qui change à chacun de vos anniversaires. Car c'est bien cet ascendant de l'année solaire qui parle de l'événementiel. Demandez-le-moi par mail si vous ne le connaissez pas en m'indiquant vos dates, heures précises et villes de naissance. Je vous l'enverrai par retour de mail. Aujourd'hui, mes amis lions, voici mon dossier taroscope spécial rentrée 2018. Le taroscope de votre rentrée automnale, Lion, pour vous. Alors, que vous réserve cette rentrée? Quelles belles promesses professionnelles ou amoureuses? Quelle belle concrétisation, sérieuse ou pas, pour cet automne? Découvrez-le vite en regardant ce qui suit. Lion, premier décan, du 22 juillet au 1er août. Le couple, Uranus et Mars, qui vous survolte à 300%, vous aura coûté bien des désagréments dans l'année. Cet été, vous avez réalisé que votre attitude ne convenait pas pour faire passer vos messages et vos idées, même si vous aviez raison, c'est ça le pire. Vous avez donc beaucoup réfléchi et vous avez mis des stratégies en place pour le début septembre. Et cela paiera. Vous le sentirez tout de suite. En amour, tout va bien et tout ira pour le mieux. Et même si vous êtes seul, vous vivrez des moments très entouré et fort agréable. Ainsi, ce quatrième trimestre vous permettra de redorer votre image professionnelle en améliorant grandement votre communication et surtout donc de relancer les projets qui n'étaient pas passés auparavant. En amour, ou tout au moins au niveau relationnel, de beaux moments vous attendent et vous brillerez de mille feux comme d'habitude. Voyons maintenant l'œil de l'oracle pour vous. Oh là 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 là, ami lion du premier décan, ai-je besoin de vous expliciter tout cela? Le destin, la roue de fortune qui tourne parce que vous avez fait des efforts. Ça y est, fini les blocages, fini les gens qui vous tournent le dos, fini les personnes qui vous disent « mais ça va pas, non ». Voilà, ça y est, la roue tourne. Le monde, le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Bonheur. Vraiment, du monde autour de vous qui vous apprécie, que vous appréciez de la communication. Et enfin, l'étoile. Protection. Grande protection. Tout ce que vous allez mettre en place. On vous écoutera. On vous regardera. Mais quel bonheur pour vous, lion du premier décan. Lion du deuxième décan. Cette année, on vous a vu préoccupé par des papiers importants,
des actes officiels ou des affaires à régler qui traînaient depuis un mois. Dès la fin de l'été, vous commencerez enfin à en voir le bout. À partir de septembre, ce sera pchit derrière vous. Allez, juste encore quelques petites traînées, mais sans plus. Tous ces soucis vous ont permis de voir qui était vraiment soucieux de votre bien-être, qui vous a soutenu, qui était à vos côtés. Et cela vous aura permis de faire un certain tri pendant l'été et d'être en franche amitié ou même en amour avec celles et ceux que vous aurez gardés autour de vous. Ainsi, ce quatrième trimestre vous verra enfin profiter de la vie sans plus aucune arrière-pensée de tous les problèmes que vous avez mis presque un an à régler. Et vous repartirez sur une situation saine au niveau relationnel, avec des sentiments épurés et réels. Voyons maintenant l'œil de l'oracle pour vous. Lion, deuxième décan. Du bon et de la passion. D'abord, si vous êtes une femme, je vais faire une petite différence cette fois-ci. Madame Lion, vous allez vivre ce quatrième trimestre dans la passion la plus complète. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que sur votre route, l'étoile va mettre un homme que vous attendiez depuis longtemps. Quelle énergie! Ouh, beaucoup de choses, comment dire, entre vous? Disons, physique. Très intéressante. Si vous êtes un homme, eh bien, cela revient au même. Vous allez rencontrer sur votre route une femme qui vous plaira énormément. D'abord, ce sera une femme indépendante et puis de fort tempérament, mais surtout, une amante extraordinaire. Vous m'aurez compris, n'est-ce pas? Lion du deuxième décan, la passion vous attend en ce quatrième trimestre. Lion, troisième décan, du 12 au 22 août. Depuis le début de l'année, vous avez eu deux moments d'intérêt différents. D'abord, jusqu'à la mi-mai environ, et grâce à Uranus, vous vous êtes occupé du côté professionnel. Vous avez retrouvé de magnifiques énergies que vous aviez un peu perdues, des idées, des foules d'idées. Vous êtes passé à l'acte et vous avez augmenté vos revenus par une promotion ou en augmentant vos bénéfices. Ensuite, à partir de fin juin, c'est l'amour qui a occupé le devant de la scène. Une magnifique rencontre, ou bien des initiatives à deux, un bébé en route, une concrétisation importante, un achat immobilier commun. Bref, de l'amour à la fois idéal et à la fois concret. À partir de septembre, vous serez très heureuse ou heureux de redémarrer l'automne avec une certaine notoriété professionnelle acquise au cours des mois précédents et, normalement, une belle situation amoureuse. Ainsi, ce quatrième trimestre vous trouvera très épanoui professionnellement et plein d'idées en tête et aussi sur la route d'une belle concrétisation côté cœur. Voyons maintenant l'œil de l'oracle pour vous, Lion, troisième décan. Eh bien, Lion, la roue a tourné en cette fin d'été.
Et ce quatrième trimestre vous verra complètement débarrassé de quelques blocages que vous pourriez encore avoir. Et ceci au niveau sentimental. En effet, vous voyez, vous vous trouvez avec les blocages que tout le monde a, ou bien tout simplement parce que vous êtes encore célibataire et que bien, vous aimeriez bien que ce soit autrement. Vous êtes entre la roue de fortune, la roue du destin et le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, le monde. Que de belles choses vous attendent. Que de belles choses vous attendent. Allez, remontez les bras, coupez la corde et allez-y. Voilà pour vous, Lion du troisième décan. Retrouvez-moi tous le 28 août pour votre taroscope du mois de septembre qui sera agrémenté d'une foule de précisions et de détails. En attendant, profitez bien encore de votre été. À bientôt !